Celui qui les acquisait devant notre Dieu jour et nuit.
Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous. Cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant. Et les deux ailes du grand aigle firent donner l'enfant. Enfin qu'elle s'envola au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la matière d'un temps. Loin de la face du serpent et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourit la femme. Et la terre sa bouche, engloutit le fleuve que les dragons avaient lancé de sa bouche. Et les dragons furent irrités contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Et à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont les témoignages de Jésus, et ils s'étendent sur les sables de la mer. Que Dieu bénisse ces lectures autour de vous. Vous allez continuer à s'amuser dans la mission de vous. Nous sommes convaincus que c'est le Seigneur qui nous aide dans les travaux que nous sommes en train d'œuvrer. Le Seigneur a pris sa parole dans le terme de la maman, donc dans l'Ilubéli, donc dans la maman. Donc le Seigneur donne sa parole dans les termes et les mots. Donc ce qu'a le Bible, quand vous venez dans votre dernier apaisé amour. Une fois qu'il parle d'une chose, doit être de la manière dont le Seigneur te l'a accordé. Et là, tu marcheras dans la vérité. Donc, on évoque ma pointe toujours dans le texte, la question qu'on va dans verset 7 et verset 18. Nous allons évoquer nos points toujours à la manière dont nous l'avions fait à partir du verset 7e. Oui, tout ce monde a évoqué. Satan sera précipité. Ce que nous remarquons là-bas, c'est que Satan est précipité. Mais Tawaz a précipité. Alors il est précipité. Verset 10, Ésaïe 10. Le verset 10 d'Apocalypse 12 nous dit. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Ah. Et j'entendis dans les cieux une voix forte qui disait. Oui. Maintenant le salut est arrivé. Je voudrais expliquer d'abord à ce niveau-là. Bon, et béni par la moi, ma difficulté, la moindre presque partout. Car plusieurs éprouvent des difficultés à ce niveau-là, presque partout. Ma enseignant est béni à la parole. Plusieurs enseignants de la parole. Ils ont des difficultés à ce point. Quand on parle du salut qui est arrivé. Et d'abord, ce qui est
veux apprendre, il te faudra être humble. Quand l'humilité s'en va sur ma parole. Et lorsqu'il y a l'humilité, Dieu va t'aider. Il faut y avoir. Il faut savoir ceci. Dans les textes dont nous avons dans les Saintes Écritures, c'est dit d'abord que Dieu avait dit à Adam, le jour que tu en mangeras, tu mourras. Ce qui est totalement oublié. Lorsque nous regardons comme ça physiquement, après une observation physique comme ça, nous allons comprendre que Adam, après avoir mangé, il n'était pas mort. Mais quand on continue avec l'écriture sainte, lorsque nous poursuivons avec les Saintes Écritures, tout le monde est Ézéchiel 18. Nous voyons dans Ézéchiel chapitre 18. Le Seigneur a son balan qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est là que le Seigneur mentionne une chose en disant que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc la zone est d'abord mort à l'âme. Donc Dieu parle de la mort de l'âme. Donc l'Iwa et l'Obaka. La mort dit. La mort veut dire. La mort veut dire. Être séparé de la vie. Amen. La séparation de la vie, c'est ce qui veut dire la mort. Donc je témoignage que ce sont la texte, il y a 1 Timothée 5, verset 6. Nous prenons notre témoignage dans 1 Timothée chapitre 5, au verset 6. Tant que Paul ajoute la parole à comment il n'entre pas Timothée. Lorsque Paul écrivait la lettre à Timothée, Nathanie a mon verset 6e, je dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, celle qui vit dans les plaisirs est morte. Ça, c'est lui, pour la zone qui a quitté la Bacosta, il y a sa profil. Quoi qu'il vivante. Attends, quoi ça, la Bacosta. Donc, Paul a écrit ce. Paul nous aide. Que, mon tout, mon sou, son azon, bic, dans la Yéboye, dans la Bacosta, mon Yazani. Que quelqu'un peut, en train de vivre comme ça, vous voyez la personne vivante. Mais à Koufa. Mais sur le plan spirituel, elle est morte. Koufa wana. Cette mort-là. Eza, Yamoni. C'est par rapport à la spiritualité. Yamoko remarqué. C'est pourquoi tu verras. Dans Zamba Lubaka, na lépreux. Dans Zamba, considéré comme lépreux. Quand tu parles de la personne qui est lépreux, dans Lévitique chapitre 13, même dans Nombre 5, à partir du verset 2e, même dans Nombre chapitre 5, à partir du 2e verset, Azon sera mis hors du camp. Et la personne là qui est atteinte de la lèpre sera mise hors du camp. Parce que mon maladie à lèpre en réalité, là tu vois la maladie de la lèpre en réalité, et pour manquer ma partie à l'autre. Tu paralyse les parties du corps. Donc ce sont des plaies dans le corps. Oui. Mais dans la peau dans les autres. Ce sont des plaies qui se trouvent au corps. Mais tant qu'il y a moins de la place, il y a moins de la sensibilité et l'opinion. Donc, à ta touche ou à la place de la présence, au couillot, quand tu montes à la lèpre, au couillot, quand tu es. Donc, là que se trouve la lèpre au niveau du corps de la personne atteinte, il y a perte de sensibilité. Voilà, c'est ça. Parce que, d'abord, expliquer pourquoi le Seigneur parle de la lèpre. Je voudrais t'expliquer d'abord pourquoi le Seigneur parle de la lèpre. Donc, oh, en réalité, la lèpre tire les membres des corps et pour ma canzoto. Donc, ce que je suis le beau que ça y a, oufa, attends, si vous voyez, mon toiseau est au caté. Donc, la lèpre tue la partie où elle atteint. Car une fois que vous toucherez même la partie là, la personne ne sentira pas quelque chose. C'est exactement comme dans un sou. C'est de la même manière qu'une personne qui vit dans les méchants. Mais dans un écho. Qui vit dans la publicité. Vous êtes critiqué à l'écho. Vous lui dites d'abandonner les péchés. Mais dans un écho. Chaque jour,
l'époque, c'est sa femme. Il est prédicateur, mais il ne fait combattre que sa femme. À ta va reprocher. Même si la personne est reprochée, elle n'écoute jamais. À son fils, à moi, si elle s'est défendue, elle ne fait qu'insulter sa femme. À sa lèpre, à son mérite, à sa banque, d'abord, à son mérite, à présenter dans l'église, dans l'assemblée. Cette personne-là est une preuve. D'ailleurs, il faut vraiment qu'elle soit mise à l'écart de l'assemblée. Donc, Yahweh est à sa lèpre. C'est ce qui montre la lèpre. L'insensibilité des membres. Donc, l'insensibilité des membres. Quelqu'un peut être là. Mais à la vie, il y a ma paix. À ce moment-là, on parle de ça de l'autre témoigné. Il a une mauvaise vie qu'il entretient. Et vraiment, même si la parole est prêchée, ça ne fait absolument rien. Il y a mon épaule à la terre. Oui. C'est de cela que Paul parle. Mais celle qui vit dans les plaisirs. Oui. Oui, à son pic, il y a un abatissé, moi, mon kiri. Celui qui vit dans les plaisirs est mort. Cette femme-là, cette personne-là est morte. Quoi qu'il vivante. Ah, t'as ça, vous voyez, oui. Donc, la personne dit elle. C'est comme une personne de preuve. Vous aurez la main. Vous suivez très bien. Est-ce que vous avez la parole de Dieu? Vous suivez très bien la parole de Dieu. Alors, toi, là, pourquoi le Seigneur a salamé mentionné à l'épreuve de la Lévitique 13? Je peux comprendre pour quelle raison le Seigneur avait parlé de la lèpre dans Lévitique chapitre 13. Un homme qui devient sensible à Zoyokate, il faut que Azala réprimande les bagages dans l'assemblée. Une personne qui ne comprend pas, qui devient sensible, il faut qu'elle soit réprimandée dans l'assemblée. Bazoy Kabata a une sensibilité d'un membre de l'homme. Parce qu'on a besoin de détecter la sensibilité de ses membres. Ce qui est sensibilité, ça veut dire qu'il y a un continué caca. Donc s'il n'y a pas de sensibilité, la personne continuera toujours à faire le mal. Ah, ton nom va l'être. Là, nous devons clairement que c'est la lettre. Et ton maître est hors du camp. Et du coup, nous allons mettre la personne hors du camp ou l'excommunier. Alors, il y a un même pour la zone dans la terre, mais nous sommes dans un qui est la bambée. C'est ce que Paul parle là en disant que la personne qui vit dans les plaisirs est morte quoi que vivante. Donc comprendre que l'Iwa, il y a un, il y a quatre, il y a un mot à quatre, c'est ça. Donc nous comprenons qu'il y a la mort de l'âme dans l'intérieur de la personne. L'Iwa Moussousso. Une autre mort. Osa Poutounou ou Ozona Poutounou. Tu es poussière, tu es censé retourner à la poussière. Adam Jouraniaki. Les jours qu'Adam avait mangé, il était mort. Par rapport à l'écriture de ce temps. Par rapport aux écritures dont nous venons d'évoquer. Koufanaïe. La mort d'Adam. Ezaki a abandonné la vie. C'était qu'il s'était séparé de la vie. Maintenant, mort et l'âme. Et c'est vrai d'appeler comme étant la mort de l'âme. Mais ça n'a pas de succès de l'Adam. Il y a une autre catégorie de la mort. Qui est poussière. Ah. Aux apôtres. Tu es poussière. Aux hommes à la poutre. Tu retourneras la poussière. Ou aller au qui s'attend qui t'envoie au qui s'attend 930 ans. C'est là c'est accompli dans la vie d'Adam quand il avait atteint 930 ans. Il y a bon Moïse, Tango, Ayembi. Voilà pourquoi Moïse, quand il chantait. Parce que le psaume 90 des années à Moïse. Car le psaume 90 de Moïse. 90, ça va pas psaume Moïse. 91 et 90, c'est pour Moïse. Aïe, ah, pour Dieu aussi, un jour est comme 1000 ans. Il avait chanté disant que pour Dieu, un jour est considéré comme étant 1000 ans. Parce qu'il avait dit 15 ans, mais c'est qu'il a dit au coup, un jour à l'oulia. Parce qu'il avait remarqué que Dieu avait dit à Adam que tu mourras le jour où tu en mangeras. À mon avis, Adam confine à 930 ans. Et bien sûr, Moïse a remarqué que Adam était mort à 930 ans. C'est là que les ans, par le mec qui paye le jour des ans, 1000 ans. Ah, et vite, il avait compris que donc Dieu avait considéré qu'un jour égal à 1000 ans. Ah, c'est que Adam confine au colo et à lui. Donc Adam était mort le jour qu'il avait mangé. Parce que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. Amen. Donc, les deux catégories de morts. Dans l'âme, donc, il y a quatre. Des là. Et puis, il y a un autre. Puis du corps. Mais dans
Maintenant, si Dieu se proposerait de venir payer la dette d'Adam, il faut alors Kati. Il va lui falloir alors d'enlever la mort et là. Alors la il y a ensuite, la mort du corps. C'est ce qui se trouve en Jésus-Christ. Maintenant, aujourd'hui, nous vivons d'abord la victoire, la vie de l'âme. Lorsque nous nous répandons de nos péchés, et nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ, décision à poser dans ma bénédiction. Et nous prenons un engagement de ne plus retourner au mal. En d'autres termes, nous sommes ressuscités en Jésus-Christ. Donc, pour autant, nous sommes nés à l'âge que tu as 18 ans. Même si tu as physiquement 18 ans. Mais dans mon livre, autant. Mais spirituellement, tu es né de nouveau. Mais dans un autre, tu as 18 ans. Plutôt physiquement, tu es resté à l'âge de 18 ans. Mais l'âge de la chair, il faut penser à la sauver. Le corps aussi doit être sauvé. C'est pourquoi on montre aujourd'hui comment sommes-nous sauvés. Romains 8, verset 24. Ah, tout content là, amour. Nous allons lire cela. Romains 8, verset 24. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ah. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Pambate, les amis, ma carte n'a pas été mis. Ah, pour faire très attention. Là, il faut tirer très attention. Donc, pour ça sauver, mais c'est en espérance. Ah. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. C'est ton voix. Peut-on espérer encore? Nous sommes sauvés en espérance. Maintenant, ce qu'on comprend l'espérance, c'est Hébreux 11, verset 1er. Maintenant, si tu voudrais comprendre l'espérance, il faut lire Hébreux chapitre 11, verset 1er. Ok, là, parce que si nous disons dans le verset 24, il y a Romains 8, nous sommes sauvés. En espérance que nous sommes sauvés. Parce que Romains 8 nous parle de la manière dont nous sommes sauvés en espérance. Hébreux 11, verset 1. Nous disons dans le Jésus-Christ. Or, la foi est-il ferme en silence des choses qu'on espère. Nous sommes dans le Jésus-Christ. Et ça dit. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, c'est un problème bas. Donc, on a la foi, ils ont espérance. Donc, la foi, c'est l'espérance. C'est que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par la foi. Ah. Par la grâce au moyen de la foi. Amen. C'est pourquoi tu verras les apôtres dans leur manière de prêcher. Celui qui pose 1 Pierre chapitre 1er. Lorsque nous prenons 1 Pierre chapitre 1er, 1 Pierre chapitre 1er, pose un verset 5. Nous prenons à partir du verset 5. Les trois hommes de la Romana. À qui Pierre écrivait cette lettre? Pour tous ceux-là dont Jésus-Christ est mort. Ce qu'on a dit dans le verset 1er et le 2e. Quand tu lis à partir du verset 1er et 2e. À Zokomela, Batoyo, Bapanzana qui après persécution. Où il y a dans Jérusalem, dans l'ère d'Étienne.
Il parlait, il fait mention des gens qui ont connu la persécution qui était survenue au temps de l'Éternel. Ce qu'on t'a dit, acte 8. En acte chapitre 8, quand tu liras cela. Verset 2 à 3. À 4. À partir du verset 2 à 4. Maintenant, ici que l'église à Jérusalem est Banzanaka, qui manque après ce qu'on On fait voir que l'église de Jérusalem était dispersée et beaucoup de disciples étaient. Vraiment parti de On voit ma diable, écoute ma coquille, ma diable, qui dit na Samarinani, Philippe. Philippe, Philippe d'ailleurs, en courant, il était parti se retrouver juste en face, à Samarie. Donc, l'église de Banzanaka à Jérusalem, c'est-à-dire pour la persécution. L'église de Jérusalem s'était dispersée à cause de la persécution. J'ai dit, c'est acte 8. Acte chapitre 8. À partir du verset 2. Mais ma porte n'est pas dit qu'à la Kinakatia, Jérusalem. Seulement la persécution n'avait pas touché les apôtres pour qu'ils soient dispersés de Jérusalem. Non, ma logique est vraiment ma dit qu'à la Kinakatia, ça n'a pas touché les apôtres. Ok, les apôtres étaient restés à Jérusalem. Aux 8 versets. Chrétien de Bibouille. Dans une carte verset premier, j'ai le nom de Jésus-Christ. Saul avait approuvé le maître des tiens. Saul a dit Maki, Yenda de Misaki, Diwana de Tien. Il y a ces jours-là, une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée, de la Samarie. Voilà, l'église de Jérusalem est partie. L'église de Jérusalem était dispersée. À ceux qui sont étrangers et dispersés dans les ponts, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. 1 Pierre 1, verset 1er. 1 Pierre 1, verset 1er. Alors, Pierre, apôtre de Jésus-Christ. À ceux qui sont étrangers, comme par exemple étrangers, qu'on a dans ma maille, et dispersés dans les ponts, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience du Père, de Dieu le Père. Afin qu'il devienne obéissant et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Il écrivait pour les personnes qui sont sauvées. Parce que vous pouvez déjà dans le cas. Parce que ces gens-là avaient déjà reçu le Saint-Esprit et puis ils furent dispersés même avec la conscience qu'ils sont sauvés. Maintenant, verset 5. Maintenant, verset 5. Jésus a
son sang. Mais parce qu'on peut la monnaie. Mais qu'est-ce qu'on utilise pour ces gens-là? Vous tous là vraiment pas gênés. Vous êtes gardés par le chemin de la parole afin d'attendre le salut. Mais ce sont des gens déjà sauvés. Amen. Mais vous êtes là, salut. Et ils attendaient encore le salut, bien qu'ils soient sauvés. Il faut avoir la réponse à vos personnes. Alors il faut avoir à ce niveau-là la réponse à donner. Parce que les gens, Jésus n'est pas pour faire que c'est quoi qu'il y a des gens qui sont dans la vie. Parce que le temps que Christ est mort et qu'il est ressuscité, il nous a donné la vie. Toujours c'est encore le pire. Nous attendons encore le salut. Et à notre Pessac avec Christ, voilà pourquoi nous donnons ces écritures. Salut, toujours c'est là. Et ça, rédemption encore. Le salut dont nous attendons, il s'agit en réalité de la rédemption du corps. Il y a le mot Ephésiens 1, verset 13, 14. C'est ce qui se trouve dans Ephésiens chapitre 1, au verset 13 à 14. Après le temps d'Aronel, qui verset 23. Après le numéro Romain chapitre 8, au verset 23. Parce que dans un moment expliqué, après tous, tant pour les malades à précipiter par lui, les salués. Parce que je voudrais expliquer à Apocalypse chapitre 12, quand on dit que le dragon est précipité directement par le salut qui est là. Les salués. Oui. Alors quand nous sommes dans la confusion, il n'a pas besoin de les salués venir. Ils sont trouvés les missions du boulot. Quelqu'un d'autre peut avoir la confusion, voyant seulement les têtes, mais les salués de lui, mais demain il voit. Non, Jésus-Christ est mort pour moi à la croix. C'est la première mission du boulot. Certainement, il est mort pour moi à la croix. Mais pour ça, c'est la bonne salut. Il y a encore autant de temps dans Ephésiens chapitre 1. Voilà pourquoi quand nous allons voir dans Ephésiens chapitre 1. Verset 13 et 14, nous lisons l'homme de Jésus-Christ. Amen. En lui, vous aussi. Quand il y a après avoir entendu la parole et la vérité. L'évangile de votre salut. En lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Molino Saint présente mon ami. Pourquoi la raison du Saint-Esprit? Le verset 14 dans la pour donc acheter des garanties. Donc, où est-ce que tu es mis pour que tu sois le bon? C'est une chose qui te assure que tu auras telle chose. Pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Pour la psycho. Voilà. La baïnzambe a soi dans l'okumu. Donc le Saint-Esprit n'est pas naïo pour le disciple au nom de vos amis. Donc le Saint-Esprit vient auprès de toi pour les amis qui vont se manifester. C'est ça. Amen. Bonjour la manière qui dit les amis. Vous suivez la manière dont les dans Ephésiens 4, verset 30. Je prends Ephésiens chapitre 4, au verset 30. Et le nom de Jésus. Ah. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Boyo qui s'amawate, mon Dieu Saint. Par lequel vous avez été scellés. Pourquoi vous avez reçu ces dages et ces sceaux pour les jours de la rédemption. Pour la rédemption. Ah. C'est que Romains chapitre 8 confirme encore. Et le Bible, il nous dit ceci. Romains chapitre 8, verset 23. J'ai le nom de Jésus-Christ. Et ce n'est pas seulement. Dans la création, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit.
Nous aussi nous soupirons à nous-mêmes. En attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc, on est le livre de vous. Voyez les statuts dont nous attendons. L'ici, voyez tout. C'est le statut de notre corps. Il y a un Philippiens 3, verset 29 et 21. Voilà pourquoi dans Philippiens chapitre 3, verset 20 à 21, cela nous dit. Philippiens 3, verset 29 et 21, j'ai dit au nom de Jésus-Christ. Ah. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Merci. D'où nous entendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi Jésus viendra comme sauveur? Qui transformera le corps de notre humiliation? Ce corps dont nous portons maintenant est d'humiliation. Même si tu l'as béni comment, c'est justement un corps de honte. C'est comme ça qu'on l'appelle dans la Bible. Parce que ça finira toujours par mourir. Qui transformera le corps de notre humiliation à la randa, à l'éranda, semblable au corps de sa gloire. Par les pouvoirs qu'il a de sa sujétir toutes choses. Otra tesorería de pie. Y misa zapato la
Moïse était dans l'Exode 3. Pour Moïse, c'est là, c'est tout dans l'Exode 3. Donc, peuple est en bas de Moïse d'abord mission. Lorsque le peuple voulait sortir donc, et que Dieu avait envoyé Moïse en mission, Dieu a exigé Moïse ordre des souliers, des sandales. Dieu a donné à Moïse d'ôter ses souliers, ses sandales. Peuple étant venu à posséder. Lorsque le peuple voulait posséder la terre, le Seigneur a ici Josué ordre des sandales. Dieu a donné à Josué d'ôter aussi ses sandales. Nous allons raconter sa dérégation. Dieu parlait de deux rédemptions. Ah. Parce que ce qu'on a demandé, Yon Sandal, c'est qu'on va dire, Yon Sandal, on va dire, amen. Parce que si Dieu te dit doté de Sandal, donc il veut te dire que tu n'as aucun pouvoir de sauver. Yon Sandal, c'est plutôt lui qui en a. Dans la vie d'Israël, donc dans toute la vie d'Israël, il a fait deux fois. Il l'a fait deux fois. Amen. Donc, avec les gens qui ont prophétisé, il y a deux rédemptions. Donc, Dieu parle à prophétiser les deux rédemptions. Donc, ce qui a sauvé notre âme, donc il faut qu'il sauve notre âme. Il est attendu pour sauver notre corps. Ça sera toujours lui qui viendra sauver aussi notre corps. Il y a beau, Jean Pénagan, qu'on est à ce qu'on va mourir. Voilà pourquoi ce que Jean, de son côté, dit dans 1 Jean 3. Dans 1 Jean chapitre 3. Dans 1 Jean 3, Jean nous parle de cette question pourrie. Jean nous parle de ceci. Verset 2. Le verset 2. Non, verset 3. Même le verset 3, c'est aussi. D'abord, la seule question de Nicolas, 1 Jean 2, verset 28. D'abord, il exhorte au-dessus, là, dans 1 Jean chapitre 2, verset 28. 28 et 29. Jésus de Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, petits enfants. Demeurez en vie. Afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. Et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confiés éloignés de lui. Intérêt à cause de la parole, intérêt d'être dans la parole, exactement. Que les jours de l'avènement ne soyons pas dans la honte. Il y a un échange solo. C'est ce que Jean parle là. Au fond de la carte, il faut oser la parole, oser la cœur répondant. Tu renonces à la vie du péché. Là, tu demeureras en lui. Demeurer aussi la persévérance. Demeurer, demande, exige la persévérance. Amen. Demeurer. Là, tu demeures. Et ça, et pour dans la fin, tu ne sois pas confus. Verset 29, si vous savez qu'il est juste. Reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Ah. Mais
cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est bien que tout ça va dans ça. Nous voyons les aides na
Exode 19, verset 4. Dans Exode chapitre 19, au verset 4. Exode 19, verset 4. Parce que Dieu ramène ce qui est passé. Parce que Dieu ne fait que ramener ce qui est passé. Exode 19, verset 4. Et que Dieu est redémoyé, nous disons au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Dites-nous, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Ma papouille a pourvoi Moïse et Aaron. Les ailes d'aigle là, il s'agit de Moïse et d'Aaron. Et Dieu vous bénisse. Amen. Bamondes amé à Salina qui pourvoit Israël Babima, l'Égypte. C'est par eux que Dieu s'est servi en vue de délivrer Israël de l'Égypte. Mes amis, dans Exode 15, verset 21-22. Maintenant, Dieu, dans Exode 15, verset 21-22. Exode 15, verset 21-22. 20-21. Nous disons au nom de Jésus-Christ. Amen. Marie, la prophétesse. Marie, mon sacolie à moi, c'est celle d'Aaron. Elle est bonne à moi, c'est. Il y a Aaron. Prie à sa main un tambourin. Et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Pourquoi dans cette affaire Dieu avait-il fait mention de Marie la prophétesse? Lorsque nous prenons Michée chapitre 6, au verset 4, Michée chapitre 6, verset 4. Nous lisons toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ. Michée 6, verset 4. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la maison de servitude. Et j'ai envoyé devant toi Moïse. Monse, Alona et Marie. Ma Maria. Amen. Ah, ceux qui vous en êtes dans la situation de si vous avez raison, vous avez dit que vous avez envoyé Marie. Si tu peux, par exemple, assister aussi, tu peux croire que Dieu avait envoyé avant Marie aussi, la femme était là. Professeur, ça me fait un jet. La prophétie ne relève pas un jeu. Il faut évaluer au roi répondre à ce qu'il a posé. Il faut maintenant savoir comment il faudrait répondre à cette personne qui déposerait. D'abord, on va présenter deux aigles. Donc Moïse, Aaron. C'est-à-dire Moïse et Aaron. Après avoir abattu Marie parmi les envoyés. Puis Dieu a ajouté Marie parmi les envoyés là. Alors nous sommes avec un esprit à prophétie. Tous ceux-là avaient l'esprit de prophétie. Aaron était prophète. Sur le sujet Exode 7, verset 1. Quand tu prends Exode chapitre 7, au verset 1. Vous suivez Exode 4, verset 16 à 17. Tu prends Exode chapitre 4, verset 16 à 17. Moïse aussi était prophète. Moïse également était prophète. Vous suivez même Deutéronome 18, verset 15. Tu prends Deutéronome chapitre 18, au verset 15. La parole de Dieu vous suscitera d'entre les frères un prophète comme moi. Ah. Il était un prophète. Cela veut dire que Moïse aussi fut prophète.
Marie, tout le temps, elle, verset 21. Marie, dont nous venons de lire au verset 21 d'Exode 15, Aza aussi, prophétesse. Également, et les prophétesses. Parmi nous, nous sommes un esprit à prophétie. Toutes les trois personnes avaient l'esprit de prophétie. Or, définition esprit à prophétie. Et la définition de l'esprit de prophétie. Dans 1 Corinthiens 13, au verset 2. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, au verset 2. On a parlé, même si j'aurais la prophétie. Oui. Attends, on a posé la question. Là-bas, il est écrit que même si j'aurais les dons de prophétie. Expliquez maintenant la prophétie. On commence maintenant à expliquer les dons de prophétie. C'est qui a nuancé ça au combat. La science ou la connaissance de tout ce qui est mystérieux. Donc, la prophétie, ça veut dire lumière. La prophétie, pour cela, est comme la lumière. Oh Dieu, le premier jour. Et puis Dieu, au premier jour. T'as la main qui lumière. Quand il a vu la lumière. Après ça, au combo. Il lui a attribué un nom. Il appela la lumière. Oui. Jour. Amen. Donc, ce que tu m'as mis ça, toi. Donc, quand tu prends les trois personnes. Bataille Saka, Osée 6, verset 1 à 3. Elle parle de Osée chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Osée 6. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Ah. Venez retourner l'éternel. Boya, Koson, gagnez pas la cour. Car il a déchiré. Papa Teya Passoni, mais il nous guérira. Asi Akobi Kisabiso. Ce qui va tout mieux à déchirer Dieu. Si on te posait la question, où est-ce que Dieu avait déchiré? Les attaques à l'homme qui est Israël a monté dans la pierre signière de la renverse. C'est lorsqu'il avait dit quand il était venu que Israël ne sera pas pierre sur pierre et il sera renversé. Donc tant pas rejeté. Quand ils ont rejeté Jésus, il a déchiré Israël. En d'autres termes, il a déchiré Israël. Mais à côté, ça ne fait pas pour guérir rien. Et lui-même avait prévu qu'il les guérira. Pour guérir rien, vous allez après l'inné, toi. L'église. La guérison d'Israël viendra après dans les droits de l'église. Dans le cas, il a déchiré, mais il nous guérira. Papa, il a pas son cas à côté qui s'en fait. Il a frappé. Et dit. Mais il bandera nos plaies. Merci à côté, par la biseau. Il nous rendra la vie dans des jours. À cause de ce la biseau, comme on cache la micro-ondes. Donc, deux jours, le voyage guéri. Donc, deux jours, les gens guéris. Deux jours. Les deux jours là, ils ont deux prophètes. Ça parle de deux prophètes. Il y a un moment dans la maladie 4, verset 2. Voilà, tu le verras dans la maladie 4. Verset 2e. Attendez, on a compris ce que c'est. Mais pour vous qui créez mon nom, c'est pour la même chose que vous avez compris. C'est le soleil de la justice. Voilà, le mot il a voyé de venir pour ton bois. Et la guérison sera sous ses ailes. Père, nos micros et vos alas, la scène à ma papou naïe. Au moins, il place guérison vos alas. Voyez là, c'est tout la guérison. Ma papou, oui. C'est 2e. Il y a moins de réunion pour des jours de vous guérir. Sont celles-là qui sont appelées dans ces six comme étant deux jours. Ma papouille a sonné ton monde dans Matthieu 17. Les deux ailes du soleil sont puis aussi dans Matthieu chapitre 17. Jésus a commis comme le soleil. Jésus était transfiguré en soleil. Après c'est deuxième dans Matthieu 17. On restait deux de Matthieu 17. Ma papouille a soleil. Et on a vu paraître les deux ailes du soleil qui sont apparues autour. Moïse et Élie. Il s'agissait de Moïse et d'Élie. Dans un proverbe. Nous prenons un proverbe. À chapitre 13. Chapitre 13. Parce que les ailes ont la guérison. Parce que les ailes portent la guérison. À Proverbe 13, verset 17. Na mais un messager fidèle apporte la guérison.
représente aussi la bouche dont l'envoyé. Voilà pourquoi tu verras dans Ézéchiel chapitre 24. Au verset 24, tu viens. Ézéchiel chapitre 1. Ah. La verset 24. J'ai le nom de Jésus-Christ. J'entendis le bruit de leurs ailes. Quand ils marchaient, pareil au bruit des grosses eaux. À la voix du Tout-Puissant. Notre souci
et la manière dont nous enseignons, c'est de donner toujours la facilité à la facilité de témoigner ce qui est écrit. Afin que tu aies la facilité de témoigner ce qui est écrit. À la place aux hommes qui après prédication à des hommes. Et quand là que nous voyons qu'après la prédication de deux hommes, Israël a beaucoup d'adoration à la Bible. Que Israël tombera dans la fausse adoration. Mais 144 000 de beaucoup d'adoration à la Bible. Nous retournons dans la lecture de Osée 6, 1 à 2. Nous lisons le nom de Jésus. Amen. Venez retourner à l'éternel. Yakani, nous sommes dans les secours. Car il a déchiré. Pas matin à personne. Mais il nous guérira. Mais ça vous dit qu'il s'appelle. Il a frappé. Merci. Mais il bannera nos plaies. Il nous rendra la vie dans des jours. À cause de ce qui s'est appelé son bon, il a dit la micro-lombe. Il a dit si tu expliquais des jours. Là, on a déjà expliqué les deux jours. Ce sont les deux jours, mais les témoins. Ça part de deux jours, donc deux jours. Le troisième jour, la micro-lombe, il nous relèvera. À cause de la micro. Donc, c'est que entre deux jours et le troisième jour, ils ont un chiffre. Il y a un troisième jour de côté. Ça va pas. C'est-à-dire entre deux jours et trois jours, il y a le chiffre. La raison pour laquelle ils seront encore élevés au troisième jour. Est-ce que vous bien? Est-ce que vous voyez cela très bien? Ah, c'est ça. C'est ça. Pour Israël, après la mort à deux heures, a reconnu dans la fausse adoration. Parce qu'Israël, après la mort de deux heures, va reconnu dans la fausse adoration. Nathan en cette époque-là, cette parole, il y a 42 mois pour s'accomplir. Cette parole de 42 mois va s'accomplir. Oh, la promesse 13 à l'homme. Donc, Apocalypse 13 nous parle. Dans verset 4. Verset 4. Dans une homme 3, verset 3. J'ai le nom de Jésus-Christ. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Père, dans mon avis, je vais me en haut, le col est mais sa blessure mortelle fut guérie. Car si vous avez un droit, et bikaki. Donc, mouvement où il dit qu'on va ouvrir. C'est mouvement si vous voulez dire. La bête qui s'est trouvée sur les eaux. La bête qui s'est trouvée sur les eaux. T'as pas besoin de blessure, cela veut dire n'est plus. Quand on a présenté la blessure, c'est-à-dire elle n'est plus. La place à les eaux, c'est la femme prostituée pour l'exister à la place. Amen. À la place des eaux, c'est la femme prostituée, la prophétesse qui remplace. Mais la bête, on a pour réapparaître. Cette bête-là qui n'était plus va réapparaître. Quand on a pour réapparaître, à humilier cette femme. Quand elle réapparaît, c'est avec le rôle d'humilier la femme. Apocalypse 17. Verset 16. 17, verset 16. Nous lisons le nom de Jésus. Les dix cornes que tu as vues. Ma seule zone de mon ami. Et la tête. Les amis. Père na nyama. Aïron la prostituée. Bakoui na moi si douba. La dépouilleron. Bakoui ma la bocote. Et la mettront à nu. Père bakouti kaye bourou. Manger au séché. Et la consumeront par le feu. Amen. Amen. Normalement, la bête vraiment, oui, il amène encore au messie. Si on parle clairement que la bête a été là, la prostituée, dans le bâtiment, c'est là que je veux voir. La prostituée a sa abomination. C'est que la prostituée a des abominations. L'abomination a été présentée comme présentée un faux Dieu. Ces abominations est semblable à la manière dont elles présentent un faux Dieu. Saint Joseph. Saint Joseph. Saint Marie. Saint Pierre. Saint Thérèse. Saint Thérèse. Saint Thérèse. Saint Saint Barthélemy. Mais tant où la bête retombe encore. Lorsque la bête va se relever encore, à quoi est la prostituée? Elle va aller à vous déprier la prostituée. Elle va déprier la prostituée. Voilà pourquoi tu te marqueras. À tout le monde, ça, chez Abel, ça, bateau, ça, ça fait une alliance. Amen. Les gens qui avaient écoulé chez Abel, ce sont ceux-là qui étaient avec une alliance. Amen.
C'est allé, elle, donc, dans une chambre haute. J'ai eu la frère la scène. J'ai eu la soya. J'ai eu le nez. Donc il y avait d'autres personnes qui étaient en alliance avec elle. Il y avait des ceux qui sont pour l'éternel. Bah, on s'en action. J'ai eu à dire que ceux qui sont pour l'éternel accomplissent l'action de Dieu Jézabel. Tellement les gens qui étaient avec Jézabel là-bas, ce sont ceux-là qui l'ont crucifié. Ah. Il y a un moment dans la bête, aïra la prostituée. Ah. Voilà pourquoi vous voyez si la bête aïra la prostituée. Amen. Pourquoi? À cause de la poste, il y a un condamné à proclamer Dieu. Amen. Il aura les désirs qui soient lui-même proclamé Dieu. Amen. La peuple vient de la possibilité des statuettes, des adorations, des photos de faux Jésus. Ça, ce sont des altars. Il faut enlever tout ça. Et ça démarre déjà. C'est là que tu as fait. À Daniel 11. Dans Daniel chapitre 11. Amen. Et nous connions souvent la police. Et ça l'a déjà. Tout ce que tu verras à l'Apocalypse, c'est là a été. Ce qu'on dit Daniel 11. Quand tu prends Daniel chapitre 11. T'as ok, d'accord. Pour ce qu'on s'en a dit, adressez-moi à Dieu. Yoka yako zokera. Yoka yako zokera. Quand tu retournes à la maison et que tu as enregistré l'audio de l'enseignement, réécoute l'audio. La Bible le dit oui. La Bible dit ceci. Daniel 11. Daniel chapitre 11. Alors, ma foi, tu as tablé au début de ma conversation en Apocalypse. Après notre départ. Ici, vraiment, c'est le tableau de tout ce qui se fera en Apocalypse après notre enlèvement. Mais oh, aussi, ça démarre déjà. Mais d'abord, cette histoire de Daniel 11, ça s'est déjà accompli. Ma caméra, ça démarre. Qu'est-ce que c'était fait? Verset 30. Au verset 30. Donc, il était dans verset 30. Des navires de victimes s'avanceront contre lui. Bah, ma soeur, la victime, et vous voyez, au tel de la découragé, bah, il repoussera. Bakoya ou Akolemba et Akei. Il irait contre l'Alliance Sainte. Et Akoma qui n'a Kanza n'a Boyoka de Sam. Wana Roi, Akoma qui n'a Kanza n'a Boyoka de Sam. C'est le roi là qui aura vraiment la connaissance. Il ne restera pas inactif. Akotika la Boyoka de Sam. À son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'Alliance Sainte. Donc, verset 5, ces versets montrent quand les bêtes à côté, lorsque les défunts prêcheront, Israël est venu parole. Israël a reçu même la parole. Mais ce qui va commis par des hommes. Après la mort des deux hommes, ils vont abandonner l'Alliance Sainte. Donc, les Israélites vont abandonner l'Alliance Sainte. Puis, parce qu'il y a un verset là-bas. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront les sanctuaires. La forteresse, elles feront cesser les sacrifices perpétuels. Elles dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Écriture de Bible, ce qui est Israël et Okamanante.
Cette écriture montre les promesses d'un exemple de Dieu. Je suis pas pour garder l'enseignement. Une partie gardera l'enseignement. C'est la partie des 144 000. Mais Israël, nous sommes pourquoi dans la fausse adoration. Mais une autre partie d'Israël entrera dans la fausse adoration. Et les verset 33. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui s'y comparent pour un temps à l'épée, à la flamme, à la captivité et au pillage. C'est le verset qui prouve que les 144 000 seront tués. Dans les temps où ils s'y comparent, ils seront impressionnés. Et plusieurs se joindront à eux par l'hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages s'y comparent. Afin qu'ils soient épirés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin. On prend ces filles, on les amène jusqu'à l'Apocalypse. Car elles n'arriveront qu'au temps marqué. Les rois feront ce qu'il voudra. Il se réveillera. Et il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Et il dira des choses incroyables contre le Dieu des cieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée. Car ce qui est arrêté s'accomplira. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères. Ni à la divinité qui fait les bénisses des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu. Car il se glorifiera au-dessus de tous. Toutefois, il honorera les dieux de forteresse sur son piédestal. Oui, assez Dieu qui ne connaissait pas ses pères. Il rendra des hommages avec l'or et l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. Par la grâce de Dieu, au second la série. Par la grâce de Dieu, nous en parlerons. Là, nous n'avons fait que la lecture. Nous avons lu pour montrer que un roi a porté sa vie abomination. Que un roi était rentré et a installé l'abomination. Mais Israël n'y a sauté, mais non, qu'une abomination. Ça ne sera pas tout Israël qui sera apporté par cette abomination. Il partit et garda une position et la parole. Simplement, une partie qui avait gardé la position de la parole. Les choses qui sont dans Daniel 11, et ça les a déjà. Cela c'était déjà accompli. Et ça appartient à moi pour appeler comme élément. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Mais Dieu garde cet événement-là comme étant signe pour amener ce qui a été comme ce qui sera. Et l'homme est aussi bien en amitié, Esaïe. La chose dont nous saisissons dans l'enseignement ici, c'est laquelle? Esaïe est le deuxième d'aigle. C'est que le deuxième d'aigle. Et pour ça, il a été moisi à qu'il est loin du serpent. Féroce que la femme soit amenée loin de la face du serpent. Donc, ils ont dit mis à ma guerre. Cela nous fait comprendre que. La guerre baisse les hôtels à Israël. Alors que les deux êtres prêcheront Israël. C'est pas pourquoi qu'on domine Israël. Les serpents n'osera jamais donner sur Israël. À cette heure-là. Serpent pour lancer fleuve naïf. Son fleuve contre la femme. Il y a d'autres obéissements. C'est pourquoi nous comprenons que tant qu'on va dire ce que l'on va monter, et lorsque les deux hommes commenceront à prêcher, la nation va attaquer Israël. Les nations vont attaquer Israël
Amen. Quand on voit un témoignage, chaque fois qu'on a pris un témoignage, à Isaïe 59, dans Isaïe 59, verset 19, oui, l'ennemi viendra comme un fruit. Absolument. Mais l'esprit du Seigneur le mettra en fuite. Amen. Pour nous voir pour comprendre le fleuve. Alors nous voudrions comprendre ce fleuve-là. Dans Isaïe 8, on avait étudié le chapitre 8, tout à l'heure, verset 7. On a dit à partir du verset 7. C'est qui nous montre que Zamba va permettre un grand fleuve et attaquer Israël. Que Dieu permettra que le grand fleuve attaque Israël. A expliqué grand fleuve d'abord. Et on a commencé à expliquer le grand fleuve. Roi d'Assyrie. Il s'agissait en réalité du roi d'Assyrie. Toute sa gloire. Amen. Ce qui va y être quoi? Donc, quand on voit le fleuve. Quand on a vu le fleuve. Oui, c'est dans Isaïe 59, verset 19. Dans Isaïe 59, qui s'est tout dans Isaïe 59? C'est la main de l'ennemi qui viendra attaquer Israël. Mais l'Apocalypse 12. Mais à l'Apocalypse 12. Fleuve Oya. Le fleuve qui va venir. Mais la bouche Apollo Nayako. C'est la bouche qui va vaincre ce fleuve-là. Les deux êtres-là, ce sont ceux qui sont... Ils sont femmes et au milieu loin du serpent. Ils transporteront la femme et l'amèneront loin de la face du serpent. Il y a autant de temps que les capables de deux. Voilà pourquoi quand tu lis la situation de deux ans-là, tout à l'heure, on a l'apocalypse 11 pour tout ce qui déjà. On le dit seulement en Apocalypse 11 pour finir seulement. Verset 3. Verset 3. Tiens, dans verset 5. Jusqu'au verset 5. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Je donnerai à mes deux témoins. Na kopesa na banzaka ke na gabibale. Le pouvoir de prophétiser. Nguya ya kosakola. Revêti de ça. Akola ta bangoto. Pendant 1260 jours. Kati na mbukoto moko na mikolo. Kama mibale na. Donc, dans le verset 3, verset 3, ça veut dire que quand tu prends le verset 3, ça dit ça qu'on a verset 6 qui apparaît 12. Combine cela avec le verset 6. 6 d'Apocalypse 12. Ah, on a dit la femme, qu'elle est dans le désert, elle est comme une maille, elle est l'aigle, à Colia pendant 1260 jours. Ici, il est écrit que la femme sera transportée par le désert d'aigle. Et puis elle mangera et transportée dans le désert où elle mangera pendant 1260 jours. Si tu te poses la question au verset 6, qui nourrit la femme? En Apocalypse 12. Tu retournes au verset 3 d'Apocalypse 11. Apocalypse 11 qui est les deux témoins d'eux pour prophétiser ça, enseigner la parole. Ce sont les deux témoins qui vont prophétiser comme enseigner la parole, nourrir la femme. Et enseignement, c'est la nourriture. Amen. Il y a encore dit la nourrir pendant 1260 jours. Voilà pourquoi on dit que la femme sera nourrie pendant 1260 jours. Et quel est ça 3 ans et demi. Les 1260 jours parlent des 3 ans et demi. À combien le verset 4? Verset 4. Ce sont les deux oliviers. Il y a Apocalypse 11. Ce sont les deux oliviers. Les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Donc, Azor et Bélataka, Moïse et Élie. Ici, on parle que de Moïse et de Élie. Maintenant, la Bible le dit. Maintenant, la Bible dit. Où ils ont confirmé. Ils confirment que Abakoubouni Samamibagolo. Si quelqu'un veut leur faire du mal, ceux qui m'ont accompagné, les fait sortir de leur bouche. Et dévorent leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, mais ceux qui m'ont dit que ça va pas bien, il faut qu'il soit tué de cette manière. Le Seigneur dit à Oumama na l'olingue à moi. Oui, ils ont prouvé que Manouan qui va s'arrêter. Ce qui prouve qu'on avait donc voulu leur faire du mal. La serpent par la fleuve. Avec son fleuve. Et ça, le verset 10. C'est le verset 10 d'Apocalypse 11. Il y a mon égo d'Élisabeth. C'est ce qui va nous prouver. Parce que Manouan, ils ont frappé tant que Manouan va s'arrêter. Parce que
de leur faire du mal. Maintenant, dans le verset 10. Dans le verset 10. Il y a une réponse. Oui. Après la mort, écoute ce qui s'est passé sur toute la vie. J'ai le nom de Jésus-Christ. Ah. À cause de pour la tienne, dans la les habitants de la terre se réjouiront. Afin de la mabéré, va consulter là. Et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents des uns aux autres. Yoga réponse. Écoute la réponse. Parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Ah. Il y a un autre que les deux prophètes ont frappé qui. C'est ce qui prouve à suffisance que les deux prophètes ont frappé la terre. Voilà, avant que le Seigneur aille à l'Armageddon. Là d'abord, c'est avant que le Seigneur ne vienne à l'Armageddon. Babou Baza, réalité, il y a deux groupes de sang. Ces deux prophètes sont la réalité de deux groupes de sang à l'ère de Gédéon. Mais sans le sous-sous, Gédéon va y avoir pas. L'autre groupe de sang, Gédéon l'avait pris à part avec lui. Parce que le prophète Batel s'appelait comme char d'Israël et sa cavalerie. Amen. C'est tout une armée. Le prophète est vu comme les chars. Tu vas prendre la main de la sang. Et les gars, bah, mon père, cher d'Israël et sa cavalerie. Cela veut dire mon père, cher d'Israël et sa cavalerie. Aïe, mais ça veut dire que 300 ans étaient les trois prophètes. Je vous avais dit que les 300 ans parlent des trois prophètes. On a attendu la cavalerie. Ce n'est pas moi qui a subdivisé. Et l'autre, ton moyen, ce que nous réduisons. Et ça, on dit 300 qui n'est pas. Quelque part dans les 300 euros, on met des boules. Donne avec des petites réflexions. 103 fois. Tu prends 103 fois. Qui t'a dit de décapuler l'eau? Laisse que la Bible divise la chose en soi. Donc, dit de décapuler l'eau, ils sont 100. C'est la Bible qui nous a aidé à subdiviser les 300 là en 3 groupes de 100. Il y a beaucoup de taille ça qui brûlait. Ici, Israël, lorsque les ennemis vont combattre Israël, délivrance n'est qu'Abraham le chassa. La délivrance n'est que qu'Abraham qui le chassa. Selon Genèse 15, ah. Zabat a parlé d'Abraham pendant 100 ans. Tu avais marché avec Abraham pendant 100 ans. Les sangs étaient sacrés à Abraham. Les sangs parlent vraiment d'Abraham. Parce qu'Abraham a long à car. Ennemi. Parce qu'Abraham vint l'ennemi. Vous en avez là? Est-ce que tu suis très bien? Donc, il y a un petit à petit, là, il va vraiment comprendre l'enseignement. Nous allons partir petit à petit, car moi, mon désir est que tu comprennes l'enseignement. Il y a un autre temps, ça vous dit que. Voilà pourquoi je montre ceci que. Écriture totale, il n'a pas de sens. Écriture, nous avions lu dans l'Apocalypse 11. Les autres temps, ça dit ça. Nous montre. Comment les besoins. Oui. Babou Baza la bouche. Comment les besoins qui sont la bouche. A béni ma union sur serpent. Et pas union. Vont avaler le fleuve du serpent. Comme les larmes de Goloméza, colonne à bataille, union sur ma voie, attaquer ma voie. Ah, le fait d'avaler les eaux là veut dire vaincre toutes les attaques de l'ennemi. Y'a pas ton monde qui a la police 11. C'est ce que nous voyons dans l'Apocalypse 11. A tourmenter qui la terre dans toutes sortes de fléaux. Que les personnes ont tourmenté toute la terre avec toute forme de fléau. Nous sommes en train de petit à petit. Nous sommes en train de marcher petit à petit. Et le cas ici que. Voilà pourquoi nous avions montré que. Ceux qui passent 6 ministères à maman. Après avoir fini leur ministère. Maman a la bête qui monte de la Bible. La bête qui monte de la Bible mettra fin à leur vie. La bête qui monte de la Bible, c'est la bête qui était n'est plus mais réapparaîtra. Amen. La bête qui monte de la bête, la Bible plutôt, c'est celle qui n'était plus et qui réapparaîtra. Quand elle va réapparaître, elle va déplier la prostituée. Donc quand elle réapparaît, c'est avec l'objectif de destruire la prostituée. Et elle ne peut pas se proclamer comme Dieu va donner toute la terre. Amen. Et qu'elle même s'autoproclame
Il va réaliser les choses de Saint-Joseph. Saint-Barthélemy s'appelait tout lui-même Dieu. C'est ça la chose. C'est ça la chose. Ah. Vous suivez comment les choses sont? Si quelqu'un te pose la question, est-ce que c'est déjà fait? Oui. Depuis 11, verset 36, c'est ça les mains. La loi encore. Apoyez ma Dieu tout. C'est là que tu as fait le chapitre 11, au verset 36. Un roi s'est élevé et c'était autoproclamé Dieu voulant qu'il soit donné lui-même. Dieu abomination a déclaré adoré. Il a mis l'abomination des gens qui soient adorés. Mais comment dit qu'on a? Mais nous avons ça, ce n'est pas pour être pour adorer. D'autres juifs avaient refusé de l'adorer. Si tu es là en Apocalypse 14 pour aller plus loin. Dans la zone de la 144 000. Donc parle de 144 000. Dans le verset 4. Au verset 4. C'est, j'ai le nom de Jésus-Christ. Ah. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes. Ils n'allaient pas envoyer ça la même du docteur. Non, voici. Nabasi. Ça, la nation. C'est pas au pluriel, parle des nations. Il y a un moment l'église, ça ne va pas. Voilà pourquoi tu voudrais l'église, c'est qui dit. Nanukaki Mutunakati Abasi Namonata Mokote. J'avais cherché un nom parmi les trois, mais je n'avais trouvé aucun. Donc il y a un pour dire Mobikisia Mouta Pongote. Un sauveur, le libérateur ne viendra jamais pour moi. Mouta États-Unis. Non plus aux États-Unis. Mouta Zambite. Pas même en Zambie. Parmi Basi, Mouta Katamokota. Parmi les trois qui sont pour les nations, on n'avait pas trouvé un homme qui peut être sauvé. Mais parmi les hommes. Mais parmi les hommes. Babona Kobayimo. On a bien ce homme. Amen. La tribu de Juda. Dans la tribu de Juda. Yéwana. C'est lui-là. Mon Mouti Molon. Les combattants. Jésus-Christ. Ah. Voilà parmi les hommes, c'est Israël. Là, c'est parmi les hommes qui sont Israël. Des femmes, toutes les nations. Les femmes sont toutes les nations. Mais à un moment là, Bassan Kakatemi va s'essuyer avec les femmes. Voilà pourquoi tu verras ici que les 144 000 ne se sont pas suivis avec les femmes. Donc, par contre, la fausse adoration. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas rentrés dans la fausse adoration. Comment cela est sûr? Les fausses alliances qui seront sur la terre, les 144 000 n'y entreront pas. Yabo, Daniel 11, verset 32. Voilà pourquoi tu verras dans Daniel chapitre 11, verset 32. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Ah, oui, bah, ça, c'est pour ça que la personne qui va garder nos paroles. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté en gardant la parole. Et vous avez fait la traître de l'alliance. Il y aura aussi des traîtres de l'alliance. Bah oui, on va pouvoir la bonne parole. Pour eux, ils ne rejetteront la parole. On reste à Israël. Là, c'est le reste d'Israël. Il y a un moment où la parole va rentrer dans la fausse adoration de la bête. Voilà pourquoi quand ils rejetteront la parole, ils ne rentreront dans la fausse adoration de la bête. Si tu regardes ces manières mauvaises actions, il ne pourra jamais le sauver. Il faut aller au cours de Marie. Ah, il viendra comme Marie. Maman doit la maman en être à casa pour une bombe. Une maman ne peut jamais rejeter son enfant, même s'il a un problème psychique. Maman est solo. Il ne peut jamais rejeter son enfant. Même pas. Il y a comme une mère. Voilà pourquoi Dieu viendra comme une mère. Que de la manière dont la maman transporte son enfant. C'est pour pas tant de mari comme troisième envoyé. Voilà pourquoi la deuxième mention de mari comme la troisième envoyée. Les troisièmes envoyés. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et Amen. Que la grâce du Seigneur des animaux n'a pas. Ça peut être ça de la réponse là, il faut que l'on le Seigneur, tout pour le corps.
Gloire à Dieu.